Place le nombre 0,04 sur la droite graduée. Alors, la droite graduée qui est ici, en fait, elle, on a juste une partie qui va de 0 à 0,1. Et 0,1, c'est 1 dixième. Hein. Donc je peux l'écrire ici. 0,1, c'est 1 dixième. Et puis on a divisé ce, cette longueur-là, de 0 à 0,1, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petites parties de même longueur. Donc, finalement, chaque partie, par exemple celle-là, chaque partie, elle représente un dixième de cette longueur-là. Donc, un dixième de 0,1 ou un dixième de 1 dixième. Alors, un dixième de un dixième, c'est peut-être pas très facile de voir ce que ça représente. Donc, pour mieux comprendre ça, on va regarder une plus grande partie de la droite graduée. Donc, là, j'ai préparé voilà, cette, part, cette droite graduée. Ici, on voit la partie entre 0 et 1. Et cette partie-là, on l'a divisée déjà en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties. Donc ces parties-là, hein. cette partie-là, c'est une partie sur les 10 parties qui composent toute la distance entre 0 et 1. Donc en fait, chacune de ces grandes parties ici représente 1 dixième de toute cette distance-là entre 0 et 1. Donc 1 dixième, c'est 0,1 aussi, donc ici en fait, on a 0,1. Donc tu vois que finalement la partie qu'on avait tout à l'heure, c'est cette partie-là. Ça correspond à avoir regardé uniquement cette partie-là entre 0 et 0,1. Et si tu regardes bien ici, en fait on a une deuxième subdivision une des petites graduations qui sont là et on va les compter. Alors on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ici et puis en fait on en a 10 dans chacune des grandes parties. Donc chacune de ces parties en bleu là qui représente un dixième, on les a divisées en 10 petites parties. Donc on est exactement dans la situation qu'on avait tout à l'heure. Et si tu veux, cette fois-ci on peut regarder à quoi ça correspond. On a en fait 10 ici, on en a 10 là aussi, 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 10 là aussi et 10 là aussi. En tout on en a 10 fois 10. C'est-à-dire qu'on a 100 petites parties. 100 petites divisions en tout ici, hein, sur toute notre droite graduée là, entre 0 et 1. Donc chacune de ces petites divisions ici, là, celle-là, mesure en fait un centième, hein, puisque c'est une partie sur les 100 petites parties que j'avais ici. Donc là, on comprend que, que si je prends un dixième de cette de cette partie-là qui est déjà un dixième, donc un dixième de un dixième, et eh bien en fait ça fait un centième. Voilà, alors maintenant on va revenir à notre problème, on revient ici. Donc on sait maintenant que cette partie-là qui est un dixième de notre dixième, et eh bien c'est en fait un centième. Un centième. Alors maintenant ce qu'on doit placer c'est le nombre 0,04. 0,04 c'est 0 unité. Ça c'est le chiffre des unités. 0 dix, dixième, ça c'est le chiffre des dixièmes, il y en a, il y a 0 dixième, et puis le 4 qui est là, c'est le chiffre des centièmes. Donc 0,04, c'est en fait 0 unité, 0 dixième et 4 centièmes, donc en fait 0,04 c'est 4 centièmes, et 4 centièmes c'est 4 divisé par 100, 4 centièmes. Donc pour placer 0,04, on va partir de 0 et compter 4 centièmes. Là, j'ai 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes, 4 centièmes. Voilà. Et j'arrive ici. Donc ici, c'est effectivement 0,04 ou 4 centièmes.